Là, pour ce qui est des bocs, là, moi, à chaque fois que je récolte un boc, là, je me ramasse toutes les glandes que je peux dessus. Ben, que je me sers, tout court. T'as des glandes préorbitales, ça, dans le coin des yeux. C'est sûr que ça va, je vais vous filmer ça plus proche quand je vais l'opérer. Les grandes préorbitales, les frontales, mais lui, regarde, les frontales, ils sont pas trop foncés encore. Tu fais rien que passer un Kleenex là, dans le front, là, puis vous allez voir l'huile sur le Kleenex. Là. Ça, c'est excellent. Les glandes salivaires, je touche pas à ça. Puis je prends les glandes tarsiennes. Les glandes tarsiennes, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Fait que là, je vais vous montrer comment j'enlève les glandes tarsiennes pour commencer. Ah, puis je prends les glandes interdigitales aussi des pattes. Mais là, ils grattaient tantôt. Les gros bocs comme ça, ils grattent stédé. Fait que souvent, ils ont pas de pâte en avant. Parce qu'ils grattent stédé, puis ils sont vides, là, tu sais, là. Mais demain, je vais aller l'enregistrer, puis en revenant, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment faire vos propres leurres avec l'interdigital entre les pattes, ici. L'interdigital, c'est l'odeur qui reste à chaque fois qu'il fait un pas au sol. Tu sais, là, quand vous faites un faux gratté, puis il n'y a aucune odeur dans l'interdigital, le boc n'est pas fou. Il sait que ça a été fait par un hélicoptère qui atterrit là, ça ne marche pas. Fait que ça vous prend de l'odeur de l'interdigital qui arrive au site. Tu sais? Fait que je vais vous montrer comment faire ça aussi. C'est bien facile. C'est avec de la vaseline, puis c'est bien facile. Fait que là, je vous commence par les glandes tarsiennes. Je vous poursuis ça avec les frontales, préorbitales au Q-tip, puis interdigitales demain après l'avoir enregistré. Là, je vous reviens avec ça, ça sera bon. Fait que là, on commence avec les glandes tarsiennes. Les glandes tarsiennes, moi je vous conseille, là, le haut, c'est pas si bon de le ramasser, mais plus où ce que c'est foncé. Puis plus bas un peu que vous allez avoir un cerne plus comme quasiment noir, le brun bien foncé. Là. Puis du long de la patte un peu, là, vous allez avoir peut-être comme 2 pouces là, qui est bien foncé en tour. Là. Ça c'est quand que il surine sur ses glandes puis que ça coule un peu dans le poêle plus bas. Cette partie-là ici en bas aussi est très bonne. Ça je m'en sers quand je fais des faux grattés. Je prends un ciseau, je découpe les poils, je les laisse tomber dans mon faux gratté. Fait que ça donne la même, ça donne l'odeur du mâle. Puis ça, là, si vous voulez couper ça, là, je vous conseille de ne pas prendre de sang aussi. Là. Essayez de ne pas prendre de sang. Là. Pas couper les veines, ici et ça. Là. On voit la partie foncée là. C'est la partie foncée que je vous parlais, là, le cerne là, il est ici là. C'est dur à dire un peu le soir comme ça là. Puis ça ici en bas là, regardez, c'est plus foncé ici en bas là. Ça c'est excellent ça. Les parties blanches moins bon, partie foncée très bon. Fait que là, essayez de manipuler ça avec des gants de latex aussi là, quand vous faites ça là. Pour pas laisser vos odeurs là-dessus là. Pas qu'il y ait d'odeur qui reste là-dessus, ni de sang, ni de vos mains, ni rien de ça. Fait qu'un coup ramassé, là, moi ce que je fais avec ça, là, les glandes de même, je les mets dans un pot maçon. Mais moi c'est pas un pot maçon, c'est un pot fait pour ça, qui est foncé le pot, là, fait qu'il n'y a aucun rayon qui peut passer dedans, rien, puis il est scellé comme un pot maçon un peu. Mais un pot maçon c'est très bon. Mettez pas ça un sac de plastique, là, ça va s'arrêter puis ça peut aussi bien sentir dans le congélateur. Dans un pot maçon, bien scellé, bien fermé, ça va se conserver là, parfait jusqu'à l'année prochaine. Fait que là, j'en ai une de faite. Je vais procéder avec la deuxième. Voyez-vous ici, là, ça c'est plus foncé un peu le bas ici. Là. Ça, là, on essaie de le garder jusqu'au foncé là, tout le tour comme ça. Là, je suis allé faire un tour pour passer ma corde, là. Mais je vais faire attention pour pas couper la corde. Fait qu'on passe ça tout le blanc. Là. On a un peu de passer le cuir le premier coup. Ces poils-là, ça ne me dérange pas des parts, ben. Essayez de ne pas pogner le sang avec, là. Moins que possible. Encore mieux. Le plus important, c'est de plus foncer. N'oubliez pas ça. Couper proche du cuir. Toujours. Il sent pas mal, celui-là. Et où ça descendait jusque-là. Même un peu l'autre bord. Pour être sûr de tout pogner. Comme ça. Là, j'ai pas le choix autour de faire une petite passe à cause de la corde. Là. Faut que je coupe autour. Comme ça. Habituellement on pogne toute la patch là. Et voilà, on continue. On va ramasser le foncé ici. Là, les amis, là, ça vaut de l'or. Un coup mes glandes ramassées, là, je vais les faire geler, là, ça sera pas long. Bon, ça fait, on reprend ça aux glandes préorbitales tantôt. Bon, ok. On y va avec les préorbitales. Prenez un Q-tip, puis ici dans le coin des yeux là, venez frotter ça avec le Q-tip comme ça. Ensuite vous coupez de bout, comme ça, direct dans un pot maçon. On répète avec l'autre œil. Des fois il y en a gros, des fois il n'y en a pas gros, ça dépend. Ça serait supposé de laisser une petite pâte jaune là. On a avoué, là, mais il n'y en a pas beaucoup, là, mais c'est en masse, en masse, en masse pour faire, fait capoter un boc. Donc ces deux petits bouts de Q-tip là, ils vont servir là, dans un faux gratté. Si vous allez l'accrocher en haut après votre branche, celle-là. Là, on y va avec, les frontales. Frontale, on prend un tampon stérile qui sent rien. Un bout de tampon comme ça. Là, vous venez frotter le front avec. Voyez-vous? Ça vient brun foncé comme ça. Ça là, c'est merveilleux. Ça, ça va dans un autre pot. C'est un autre item que vous allez accrocher à votre branche plus haut. Vous pouvez en faire une coupe, là. Le frontal, c'est celui-là qui a le plus d'huile à ramasser. Fait que moi, je m'en fais tout le temps une coupe. Si je veux jouer avec ça, j'en ai en masse. Attention de ne pas frotter dans le sang. Regardez ça comment ça vient brun. Ça, c'est merveilleux, les amis. Ça sent le bois, ça. Vous allez voir, là, on va s'amuser avec ça. J'ai rien que ça à faire, là, ma chasse est finie, moi. On va faire des vidéos avec ça. On fait réagir des bocs avec ça. Vous allez voir ça que ça réagit d'aplomb. Regardez ça. Ça, là, c'est de l'or. Puis il y a la vessie aussi que je vais checker tantôt. S'il y a de l'urine, on va en récolter. Bon, fait que là, ça commence à être moins brun. J'ai 3 tampons, ça devrait être pas pire pour m'amuser. Mes glandes tarsiennes, je vais les mettre dans un plus gros pot. Cuir sur cuir, c'est encore mieux. Donc ce que vous pouvez faire là, mettez ça cuir sur cuir. Vous pouvez vous couper des bouts. Coupe des bouts comme ça, à peu près gros de même. Des bouts à peu près gros de même là. Fait que comme ça, si vous voulez jouer à... Si vous voulez vous amuser à faire des grattés, des faux grattés ou whatever, vous n'êtes pas obligé de sortir toute la grosse glande au complet. Vous sortez une patch à de la fois, coupez des poils. Vous ne scrapez pas vos glandes à chaque fois que vous sortez un morceau. Moi, c'est ça que je fais. J'en coupe une coupe de morceaux. Cuir sur cuir tout le temps. Oh, c'est raide à couper. Un petit morceau. cuire sur cuire le plus possible. Ça, ça va tout geler, ça va venir dur comme une roche dans le congélateur. Ces deux-là, mais je vais me garder, je vais faire comme ça. Je vais me les revirer cuir sur cuir comme ça, puis je vais me garder, ça va être pour la vraie job là, quand je vais chasser l'année prochaine. Si jamais j'ai un gros gratté, là, puis si tout marche, je vais me sortir un gros comme ça. Puis je vais être bon pour travailler avec, l'accrocher d'un arbre, whatever, c'est vous autres qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire avec. Ça sent très fort. L'affaire est dans le sac. On va tout congeler ça, ces affaires-là. Il reste juste les glandes interdigitales demain.